Les Marseillais, après un début de saison en trombe, après un 5 buts à 1 du côté de Brest, les Marseillais sont dans une dynamique encore plus positive. Ils viennent de renouveler leur demande, ils viennent de renouveler leur offre auprès de Norwich pour le recrutement de l'attaquant Jonathan Rowe. Et pour moi, c'est la bonne chose à faire. Marseille est dans la meilleure des dynamiques. Marseille a fait un match très séduisant face à Brest. Marseille a montré que dans les phases de transition et en attaque placée, ils peuvent être très dangereux. Maintenant, il manque juste à peaufiner le tout, créer une osmose dans le groupe, créer une certaine concurrence qui puisse tirer le groupe vers le haut. L'arrivée de Jonathan Rowe va permettre à un joueur comme Eli Wahi de se retrouver, pas en difficulté, mais en concurrence. Une concurrence saine qui crée une émulation dans un groupe qui permet de tirer le meilleur de chacun. Permettre aussi qu'il y ait une grande profondeur de banc dans cette équipe qui, malgré le fait qu'elle ne jouera que sur un seul tableau, à savoir le championnat, potentiellement la Coupe de France et la Ligue de la Coupe de France, c'est une chose qu'il faut avoir. Il faut qu'un club comme Marseille ait une profondeur de banc suffisante pour se permettre à certains moments de faire tourner et de permettre à ses joueurs cartes de se reposer. Donc l'arrivée de Jonathan Rowe, pour moi, c'est la meilleure des choses. De son côté, Mason Greenwood, est-ce qu'il ne doit pas avoir aussi une doublure de son rang ou bien un tout petit peu en dessous? C'est les choses qui doivent être approfondies du côté des Marseillais pour leur permettre d'avoir une équipe complète, unie et forte.